Alors, salut à tous, c'est Adentium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir les pilotes Friction Fineliner. Ici, vous coûterez pas ça, donc ça c'est un bonus pack, plus 1. Voilà. Donc, voilà, alors, il est effaçable. Alors, pourquoi ça s'efface? Alors, il y a un petit truc là, et comme l'encre, et comme vous allez chauffer l'encre, comme vous chauffez l'encre avec la genre de petite gomme, ben après l'encre elle va s'effacer. Et aussi vous pouvez les faire apparaître avec un spray très froid. Voilà, un spray avec le froid glacial. Donc alors là on va l'ouvrir. Donc voilà. J'ai mal ouvert. Hein. Voilà. Rien que je les touche, ça me donne envie de les tester. Donc voilà nos 4 petits stylos. Donc là, on a avec une couleur bleue, une couleur noire, une couleur verte et une couleur rouge. Donc alors on va les tester, on va faire des petits grabouillages. Donc voilà, alors je vais apporter une feuille. Elle est juste là. Voilà, ça c'est une feuille A4. Voilà une petite feuille A4, feuille blanche d'impression. Alors je vais écrire un truc. Donc là je vais juste faire des petits grabouillages. Alors je vais prendre le stylo bleu effaçable. Donc alors voilà. Alors je vais juste voir est-ce qu'il marche bien. Voilà au début. Ça marche. Et si vous voulez gommer, en fait il faut juste le mettre comme ça. Il faut toujours le mettre comme ça, en mettant le bouchon à l'arrière, comme ça vous avez la petite gomme à portée de main. Donc on va tester. Effectivement c'est un peu plus dur que les frictions normales. Hein. Ça me fait un peu mal à la main. Donc voilà, là il n'y a plus rien, on dirait que j'ai rien mis sur la feuille. Et là, je vais refaire avec un stylo de couleur noire. J'ai complètement oublié qu'il y avait déjà une lame. J'ai bien gommé. Lentement mais sûrement. Donc voilà, plus de traces. Je peux refermer notre petit stylo feutre. Donc là, ces deux-là, je vais les mettre de côté. Hein. Et là, on va utiliser la couleur verte. Voilà. Ouvert. Ouvrir. Là, on va faire. Un peu bon à gommer quand même avec celui-là. Donc là, comme avec le frottement, vous chauffez l'encre, bon, ça va tout gommer. Donc alors là, j'ai fait juste un petit coupage de vidéo, donc excusez-moi. Donc alors là, on va tester le stylo feutre rouge, voilà, le dernier. Voilà. Alors là, après on va gommer. Hein. Donc alors comme ça, moi je vais plus ici là, vers un peu un genre de petit coin. Ça n'a pas de coin plus. Je vais plus vers le haut. Comme ça. Donc, alors voilà, c'était la présentation de mes pilotes Friction Fineliner. Voilà. Voilà, alors là, il y a écrit Remove by Friction. Tout d'abord, c'était Friction. F-R-I-C-T-I-O-N. Voilà. Et après, ils ont changé en faisant F-R-I-X-I-O-N. Ils ont mis un X au lieu du CT.
au lieu du fric si on avec le CT, la lettre CT, ils l'ont transformé par un X. Donc, voilà. Donc ça, c'est des lieux de friction Fanliner. Donc ça, c'est des stylos qui existent depuis près de 2 ans. À peu près il y a 2 ans. Donc alors, voilà. La petite présentation de mes friction Fanliner. Au revoir, c'était RedinTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Voilà, c'était RedinTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein? Au revoir.